Vous habitez dans un immeuble collectif ou vous envisagez de vous y installer? Vous voulez la fibre optique? Alors, comment faire? Déjà, vérifiez que votre immeuble est raccordé au réseau Rosas. Si c'est le cas, une affiche le signale dans le hall. Et si vous avez des doutes, consultez l'outil d'éligibilité du site rosas-fibre.fr. La fibre arrive par le sous-sol, parcourt les colonnes montantes jusqu'à des boîtiers d'étage sur le palier de votre appartement. Voilà de quoi il s'agit. De là, il faut tirer un câble jusqu'à chez vous. Ce câble fait 4 mm de diamètre. Il est placé dans des gaines ou des goulottes disponibles ou collé discrètement le long des plinthes et des huisseries. Un technicien intervient en votre présence et avec votre aval. Une prise terminale est installée à l'endroit de votre choix. Un conseil, faites-la poser à côté de la télévision. C'est elle qui est généralement le plus gros consommateur de débit Internet. Seule dépense pour vous, les éventuels frais de mise en service fixés par le fournisseur d'accès Internet que vous avez choisi et l'abonnement mensuel. Un dernier conseil pour finir. Si votre immeuble n'est pas connecté à la fibre optique, il faut vous adresser au gestionnaire de l'immeuble qui lui seul peut engager les démarches administratives pour obtenir l'intervention de Rosas. Dans le cas d'une copropriété, une décision de raccordement doit être prise par l'Assemblée générale des copropriétaires. Alors maintenant, à vous la fibre !